Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue sur Nicky Nick New York TV. Nous en direct sous Champ de Mars pour nous regarder défiler carnaval des fleurs que le président Martelly te prend l'initiative pour te faire, puisqu'elle te compte faire déjà, mais pour mettre la gaieté. Donc, tout haïtien qui t'a subi un grand choc pendant le tremblement de terre 12 janvier. Donc, nous avons constaté là, c'est la gaieté, c'est la joie qui sous Champ de Mars là pendant nous regarder le premier jour défilé carnaval des fleurs qui a fait sous Champ de Mars là. En nous tous ensemble, nous avons regardé, nous avons constaté comment mesdames y'a défilé belle beauté créole qui ont qui décoration qui gagne pendant que n'a regardé ensemble tout le monde qui sous Champ de Mars là pendant que y'a oublié tristesse que y'a gagné pendant 12 janvier 2012. Keep on.
Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous retournons avec nous encore en direct sous Champ de Mars avec Nicky Nick New York TV dans location Carnaval des Fleurs. Nous accompagnons Kounyala avec le ministre de la Communication, Andy Jean-Gardi, qui pourra dire nous comment lui voit la première ouverture Carnaval des Fleurs dans la Kounyala. Ah, son bel bagage. En pile couleur, en pile participants, et ça, c'est une vraie fête. Et nous croyons que tout le monde qui a suivi le programme ça dans New York, ils sont vraiment, vraiment satisfaits tout parce qu'ils arrivent à jouer une image qui est attendue depuis longtemps. Le carnaval a fait débuter, il y a un défilé à commencer, il y a des participants qui rappelaient 1916, un paquet décapotable, qui a des fleurs. C'est comme ça que le carnaval des fleurs a été fait en 1916. Et ça, c'est reprendre la tradition. Hein. Et en 1973, c'est la dernière fois qu'ils ont fait un carnaval comme ça. Et journée de jeudi en 2012, c'est une reprise que lié. Et là, le cadeau, son vrai fait, et c'est là pour là. C'est là pour là. Mais comment on se voit, M. Andy, comment on se voit carnaval autrefois, ensemble avec carnaval Kounia là, comment nous well, par rapport ensemble avec Jean qu'on fait là? Eh bien, ça, nous well là, c'est que d'abord, il y a des éléments qui sont différents, mais il y a un pile d'éléments qui rappellent ça qu'on fait en 1916 là. Ça qui était fait pendant le début du XXe siècle là. D'abord, c'était l'époque où ça a été découvert à faire machine. Haïti était fait rentrer dans recevoir machine qui était fait paraître pour compagnie faute. Et en 1916, c'était toute cette machine décapotable. Et ouais que j'en ai aujourd'hui à essayer de présenter pendant le carnaval des fleurs ça, des machines qui étaient dans la période ça. Mais ce qui est de nouveau tout, c'est des bails qui habituent à rentrer dans le carnaval traditionnel loin. Jambes de bois. Ou gen, par exemple des mouns qui a défilé des bon à pied, ou qu'on gagne par exemple indien, ou qu'on gagne roi avec reine qui rappelait roi reine africain. Donc on joint tout élément ça remélangé, mais ça qui est belle là c'est que c'est une fête culturelle, c'est une fête artistique et en même temps c'est une fête qui mène en pile touristes. Et en 1916 j'ai débuté, c'est haïtien seulement qui te gardel. J'en ai jodi a grand pile moun qui sorti l'autre bord de l'eau qui vient garder carnaval des fleurs ça, qui vient revivre et des moun qui sorti par exemple des moun qui sorti la Brésil, gien ça qui sorti Trinidad Tobago, gien tout qui sorti dans Jamaïque et yo tout là, yo vient garder qui jeune a fêté carnaval des fleurs ça, ça son belle bagaille c'est là voilà. Pendant que c'est là pour là toujours, puisque nous avons dit que le carnaval des fleurs sont réussite liées là, pendant la grande ouverture ça là. Nous t'arrêtons mais comment nous faisons pour nous faire réussite ça là pour le carnaval des fleurs ça là? Ah, on pile fort, on pile fort. Mais il faut que nous soif carnaval là, il n'y a pas de prince. Il était tellement soif que yo même au niveau secteur privé, yo prend un paquet de dispositions pour démonter stand par yo. Il y a plus stand business privé que stand l'État. Et ça, son coquin chien a fait lié. Comité carnaval en général, c'est toujours l'État, la mairie qui mettait moun la donne. Fois ça, c'est le secteur privé qui voyait moun ni et président comité carnaval là, il sortit directement dans le secteur privé pour travailler pour l'État. Donc là, on vient jouer une volonté qui à la fois moun qui dans l'État, secteur public, avec secteur privé, et volonté ça, on vient marier ensemble qui est capable de permettre que le carnaval ça réussi. Et en général, tout c'est l'État qui toujours dépense son paquet de COP pour faire carnaval. Fois ça, c'est COP tous les deux qui mettent ensemble, qui permettent que premièrement, c'est qu'on dette pour carnaval au Kaila, que vous arrivez payer près de 35 millions de gouttes. Et puis carnaval ça même, vous dépensez 30 millions pour lui, 30 millions de gouttes qui n'ont pas le rentrer, parce que là, très facile pour rentrer, vu le nombre de monde qui sont à l'étranger, qui viennent acheter, et gain industrie bois pour faire stand là, gain pile COP. Que yo même yo arrivé faire tout avec moun qui était intéressé faire stand carnaval bien en pile chapeau paille en pile maillot chemise qui vend tout pendant période carnaval là tout avion yo rempli avec moun qui sont tout côté pour rentrer nous passer 3 jours grâce à pour permettre rentrer en pile cob qui va dépasser au moins 10 fois plus ça qui dépensait pour te faire carnaval ça et la bon pour secteur privé là, la bon pour secteur public là ça qui me dit tout le monde joyeux carnaval. Étant donné, nous dit c'est là pour là, nous allons retourner ensemble avant encore pour dire nos derniers mots, surtout ensemble avec le monde qui a vécu à l'étranger, ça, qui a suivi vous là. Mon cher, ensemble, dans le programme Nikia, c'est que, mon cher, c'est là pour là. Mais sous bat là, où arrivez well, simplement, dans la télévision, je vous dis, c'est un gros effort fait tout. Parce que, comme nous, que Nikia va habituer à venir ici tout le temps, non, vous venez dans le carnaval.
les vingt gars des fois ça, parce que ça c'est une coquille chaîne d'événements et moi-même je suis bien content que je suis là et que je suis avec vous là, bien entendu, qu'à vivre en direct, ou qu'à vivre ça qui a passé là et certainement les carnavals ça fini, nous sommes capables toujours rencontrer avec l'autre monde qui organise les carnavals haïtiens surtout dans New York, mais en principe, nous prenons une expérience sur le café que nous pouvons faire au niveau de deux communautés, tous les deux communautés, communautés qui vivent dans le pays et communautés haïtiennes qui vivent dehors, capables de connaître qu'on y a là, qui j'ai pu faire bon Jean Carnaval, parce que c'est pas blanc qui organise le carnaval ça, c'est pas l'OEA qui est relé, c'est pas expert international, c'est nous qui avons fait nous. Et nous pensons que next time, nous avons demandé pour l'équipe Nikia rentrer dans le comité carnaval là. Ah ben, c'est là pour là, nous dire merci, on vous remercie. Bonne fête. D'accord, merci, bonne fête à vous même tout. Nous te souhaitons suivre, monsieur ministre communication, Adi Jean Gadi, qui t'a bon avili sous carnaval des fleurs là, là qui t'a fait grande ouverture là, je dis là. N'a pas retourné encore, n'a pas quitté nous sur le parcours. Oh,
ce verre. Le plaisir est pour moi de dire bonjour. Bonjour Fritz, je suis ravi de pouvoir m'adresser à vos compatriotes de la diaspora à New York. Hello Big Apple. Alors merci. Maintenant, pour ce carnaval, que vous voulez dire aux gens de la diaspora? Écoutez, je crois que c'était en partie, sans doute, aussi pour la diaspora que ce carnaval a été conçu. Au moment où les étudiants ou les gens de la diaspora qui travaillent ont envie de rentrer l'été, c'était aussi peut-être aussi une façon de leur dire, ben voilà, il y a un grand événement culturel, artisanal, festif. Bon, en février, le carnaval a été déconcentré au CAI, ce qui était une très bonne chose. C'était aussi un signal très fort que le président a envoyé aux provinces. Peut-être qu'on peut faire de grandes choses aussi en dehors de province. Mais je pense que c'était bien qu'à Port-au-Prince, il y a aussi le carnaval. Il y a eu quelques petits incidents les derniers jours, mais rien de, je dirais, de tout carnaval a toujours son lot malheureusement de blessés, d'incidents, et par rapport aux centaines de milliers de gens qui sont venus, ça reste quand même assez important. En tout cas, c'est une très belle fête. Et on voit qu'il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits par tous les artistes, les artisans, pour vraiment travailler les costumes, les chars. Et aussi le fait que ça se passe au Champ de Mars, qui est un lieu qui a beaucoup souffert, qui a connu beaucoup de gens en grande difficulté, qu'aujourd'hui une page est en train de se tourner, c'est aussi une façon de l'écrire avec toute la population de ce pays. Très bien. Alors maintenant, à propos du carnaval, il y a beaucoup de tourisme. On sait que ce soit une bonne chose en fait pour Haïti. Moi je crois qu'un carnaval, c'est une façon de montrer qu'on peut faire la fête en toute quiétude en Haïti. Haïti, comme vous le savez, du fait d'une présence des forces de maintien de la paix, du fait de son histoire récente assez tumultueuse, a besoin de montrer que le pays est en voie de pacification, qu'on ne risque plus sa vie à chaque coin de rue, que la population est paisible, les gens sont capables de s'amuser tranquillement. Je pense que ce sont des messages qui sont importants. Bien sûr, il faut travailler sur le fond aussi, comme le fait la ministre du Tourisme avec beaucoup de passion. On a eu l'occasion d'accueillir en France, elle a rencontré beaucoup d'interlocuteurs dans ce secteur, que ce soit des opérateurs, des développeurs, l'agence française qui est en charge de développer la destination France, du monde à ton France, etc. Et les gens ont été tout à fait frappés, impressionnés et aussi convaincus par l'énergie de la ministre à vouloir développer la destination Haïti dans la durée. Au nom du consulat.
soir avec Nicky Nick, New York TV. Nous sommes avec Roro Nelson qui parle de nous imprévu sous carnaval 2012 dans là. C'est carnaval des fleurs là. Pourquoi on est des fleurs? Parce que nous elle fleurit. Parce que Michel Martelly son fleur. La couleur rose, la couleur de l'amour. Couleur côté l'amour. Dans le cœur tout le monde, même Jean président toujours énoncé. Et même Jean tout le monde qui est dans le pays, ouais, volonté, confiance et l'amour qui gagne dans le président ça, qui fait jodi alba nous carnaval ça, un carnaval presque impossible. À niveau quantité de monde qui est dans la rue et à niveau ambiance. Et comment on se voit carnaval qui dépasse, c'est carnaval des fleurs qui dépasse, c'est déjà avec carnaval des fleurs qu'on a fait jodi là. Bon, c'est en 73, ça s'est fait. Les sans sont gênés tout petit, tout porte au prix, ça paierait les démons. En 73, je me suis dit un petit, je ne pas vraiment connaître, mais l'irée était gravé dans l'esprit de tout le monde. En 73, c'était un carnaval des fleurs. Et je dis à Michel Martelly, répétez-le. Et après toute critique, après tout rapport négatif, l'irée était en vérité. Même si j'ai $1,500 dans mon jodia, ou pas pour un avion. Mandez n'importe qui machin qui est là s'il pas content carnaval là. Mandez moun qui gagne hôtel s'il pas content. Mandez moun qui habite en côté ou gon frère ou famille qui diaspora country est-ce que yo pas content. C'est ça n'a pas cherché. N'a pas cherché pas seulement moyen économique. Haïti gagne trop problèmes, il faut créer une certaine santarelé ambiance entertainment et même à niveau économique hein. Parce que longtemps, le carnaval là c'est toujours perdu, perdu. Mais avec Michel Martelly, on pensait qu'on est capable de gagner. Je ne redis pas et me garantis nous qu'on a gagné. Et qui message t'as même bail le monde qui va venir dans le carnaval là? Parce que on a continué ensemble avec le carnaval des fleurs là, chaque année. Donc il y a un pile d'espoir qui va entrer, ni qui n'y a pas au reportage. Donc qui sont à même dire? Qui répond à bail? La poula. La poula. Ah mais d'accord, nous sommes là ensemble avec Roro Nelson. La poula. Qui t'a dit nous la poula en direct de Champ de Mars là qui est tellement chaud avec le carnaval des fleurs.